En général, il y a deux gros intérêts de lancer une DMP. C'est soit effectivement de travailler dans un axe média, donc travailler avec les agences médias, avec le DMP pour travailler sur le ROI, pour vraiment avoir un vrai intérêt finalement pécunier pour optimiser ses campagnes médias. Nous, chez Sony, on a choisi de travailler aussi plutôt côté CRM, c'est-à-dire vraiment de travailler, de récolter de la data et travailler sur le côté CRM, donc la segmentation, l'optimisation de la connaissance client, des comportements clients, notamment sur un axe omnicanal, donc quel que soit le canal sur lequel le consommateur va être, que ce soit des applications, des sites web, des sites de e-commerce, et quelle est finalement la connaissance client qu'on peut tirer de tout ça pour optimiser les messages, personnaliser les messages et avoir un impact direct sur la bottom line, sur un impact business, tout simplement.